de déneigement à Sainte-Brigitte-de-Laval, l'affaire de tous. Le service des travaux publics de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a à cœur la sécurité des citoyens, particulièrement en période hivernale. C'est pourquoi le déneigement est une priorité et un devoir. Afin d'assurer le bon déroulement de ces opérations sur le territoire de la ville, le service des travaux publics vous rappelle les bons comportements à adopter. Vos bacs d'ordures, de récupération et de matière organique doivent être positionnés en tout temps dans votre entrée, à au moins 2 mètres de la voie publique. Ne vous en faites pas, le bras hydraulique du camion est suffisamment long pour atteindre votre bac. Vous éviterez ainsi l'irritation causée par un bac renversé ou brisé. Les bacs mal positionnés deviennent des obstacles et ralentissent le déroulement des opérations de déneigement, particulièrement le déneigement des trottoirs. Lorsque vous déneigez votre entrée, veillez à placer la neige sur votre terrain. Avisez votre entrepreneur en déneigement d'en faire autant et de ne pas souffler votre neige sur le terrain voisin. Il est strictement interdit d'envoyer votre neige dans la rue puisque celle-ci devient un danger pour les automobilistes et un obstacle pour les piétons. Il est également interdit d'encombrer les bornes d'incendie. Évitez de vous stationner dans les rues en période hivernale, surtout lors des journées de précipitation. Ceci ralentit les opérations et laisse une bande de neige autour des voitures. Il est également interdit de vous stationner dans les rues à partir de 23 h le soir à 6 h le lendemain matin, et ce, du 1er novembre de l'année en cours au 1er avril de l'année suivante. Avec plus de 3000 entrées privées à Sainte-Brigitte-de-Laval, il peut s'avérer complexe pour l'équipe de déneigement d'effectuer une levée de pelle à chacune des entrées. Ne prenez jamais pour acquis que le déneigeur vous a vu. L'angle de vision dans un camion est différent de celui d'une voiture ou d'un piéton, surtout en temps de tempête. Soyez vigilant en tout temps et ne laissez pas vos enfants jouer en bordure de la rue. Un accident arrive vite et ne pardonne pas. La période hivernale est également l'occasion de faire preuve de civisme envers autrui. Prenez en considération que votre horaire n'est peut-être pas celui de votre voisin. Certains devront souffler tard en soirée et d'autres tôt le matin. Le service des travaux publics de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval vous remercie de contribuer au bon déroulement des opérations d'énergement sur le territoire.